Et salut à tous YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Dimension Defender, le 9ème. si je ne dis pas de bêtises. Donc on va s'attaquer à la troisième arène. Donc celle de Portanto. Et après on ira sûrement ici, je sais pas si on peut accéder à la cave à vin, mais je suppose que la suite sera par là. Parce que je vois pas trop comment accéder. Peut-être qu'il faut que je retourne à Calembour. Accéder au fameux cratère dont parlait notre cher Pokémon ancienne divinité qui nous accompagne là. Le fameux Aspico. le fameux Aspico. Ou alors c'est là. Maintenant c'est là, c'est le Dédalcatraz. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas retourné au Dédalcatraz. Voir si on peut pas accéder à la suite. Ah, ça pourrait être pas mal ça aussi. On verra. On va se faire l'arène en tout cas. Et on verra ce qu'on nous dit après l'arène déjà. Et déjà ce qui se passe dans l'arène. Parce qu'il se passe toujours des dingueries. Ultra cité électrique. Alors je me demande quel est le type du coup de l'arène. C'est Yamfect devant du coup avec Cerebrock et Manurion. Et peut-être Léo Béron. Voilà, en fait ça va dépendre du combien contre combien c'est. Qu'est-ce que c'est que cette arène de fou? Hein? Ah d'accord. Pourquoi? Oh, l'arène de psychopathe gros. Pourquoi il y a des mecs du futur là? Attention la coupure de courant. On dirait des mecs de Tron. Les pilotes de Tron. Je vous jure. Ah mais on a... Oh mais je vais pulvériser l'arène. Du coup il fallait aller à Portanto avant d'aller au nord. Me dire. Oh la rêve de vieux. Ah ça va, c'est pas si vieux que ça Tron quand même, si. Je crois que c'est... Oh, vrai, je crois que c'est 2003. Non. Ou 2006, non. Je sais plus. Oh, en vrai c'est peut-être vieux en fait. Battons-nous juste pour le fun, et il a dit, c'est ça? Oh, mais l'arène va se faire démolir! 1982. Non, mais le. Non, mais moi je parle du film Trône l'héritage. C'est celui que tout le monde connaît. Pas celui des années 80, oui. J'ai fait vivre obscur, je crois que j'ai misclick, non? Ah non, c'est bon. Attends, c'est quoi, tu me fais douter? Trône d'héritage 2010, ça va, c'est pas vieux. Un peu quand même. En vrai, un peu quand même. Je crois que c'était là. Il y avait Pokémon Or qui sortait, non? À peu près. Non, c'est pas ça. C'est peut-être un peu vieux. C'est peut-être un peu vieux. En fait. Ou alors c'était Pokémon Diamant, je sais plus. En fait, c'est peut-être un peu vieux en fait. C'est peut-être une rêve de boomer, on sait pas. C'était à 14 ans. La 5G sortait. Oh, terrifiant. Oh, la 5G, qu'est-ce que ça me manque. La 5G me manque. What? Pourquoi il y a des gens chouettes là? Oh la reine de merde. Ok, je viens de comprendre. Mais du coup il fait quoi le bouton là-haut? Il active, il désactive un truc. Donc là c'est la sortie genre. Ça a rien fait du tout. What? C'est quoi cette arène de fou? Par contre je vais avoir un problème de PP je crois en fait. J'ai des huiles ou pas? J'ai une huile. Bon. Tu vas fumer l'arène. Ouais, je pense que pour le coup, l'arène. L'arène, c'est ciao. Hein. Ah, il a lévitation. Ah, bah, ouais. L'arène, c'est ciao. Toxizap. Ah, bah, toi. Alors, toi. Alors, toi, le petit sol. Tu vas pas y échapper. Hein. Bon, l'arène se fait déjà fumer, tu me diras. Du coup, c'est quoi? En fait c'est la même chose mais de l'autre côté quoi. Et du coup en bas c'est quoi?
Ah, c'est une autre salle? Ah merde, il va me bloquer là, non? Ah merde, y'a la pub qui approc. Un quoi? C'est quoi ça? Ah, un piclairon. J'ai mal lu. Ouais, en plus c'est la fin de l'année là qui approche. Donc ça y est, les régies publicitaires de YouTube et de Twitch vont être pleines là. Quand il va y avoir un slot de pub, ils vont mettre une pub. Ah! Mais il me bloque pas? Ah si! Qu'est-ce qu'il fait? Et ça fait quoi? Je comprends pas, faut tout activer genre? Ah là ça en a enlevé un, ok. Merde. Là aussi, là, ok. Oh, on peut le dodge lui. On va le dodge volontiers. Et du coup l'autre, pourquoi il s'est pas enlevé? Bah, j'ai appuyé sur le bouton. À moins qu'il y ait deux boutons à activer. Ah, il a appuyé celui-là. Ah, il y a peut-être deux boutons. Ah, faut que j'aille de l'autre côté quand même. Ah, vas-y, relou. Oh, relou, relou, relou. Ah, il y avait quatre traits en fait, ok. J'ai cru que c'était la même chose des deux côtés, mais non, pas du tout en fait. Là, il faut bien refaire ce côté-là, du coup. Ok. Ok. Écoutez, my bad. J'ai eu trop d'espoir, des fois, trop d'espoir, nuit. Voilà. N'ayez pas trop d'espoir dans la vie. On sait jamais. Et j'ai plus de PP, donc on va pouvoir utiliser nul. En tout cas, depuis le début, il a perdu 3 HP. Plutôt efficace. Alors là, du coup, en fait, faut dodge le dresseur. Hop. Tac, tac. Et là, on est bon. Tout, 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 tout. Voilà, ok. Petite huile. Et voilà, on est bon. Donc là, du coup, champion d'arène. Ah non, encore? Non, quand même pas. Ouais, champion d'arène, c'est bon. L'arène est incroyablement stylée pour le coup. Là, vraiment, pour le coup, rien à dire. Je me nomme Luxali et je suis la plus jeune championne d'Ichiria. Elle a du flow, elle me fait penser un peu à Inésia, dans l'idée. On se trouve dans les hauteurs d'une ancienne ville qui semble avoir été abandonnée par ses habitants. What? Oh, la dimension de fou. Oh, je veux visiter la ville, hein. C'est la ville que je veux visiter, pas ton arène, en fait, hein. L'ancienne ville, ça doit être incroyable à visiter. Trêve de bavardage, c'est dans ces hauteurs que je vais te voler dans les plumes, je suis survolté. Les villes abandonnées, mais style futuriste, c'est vraiment banger. C'est juste banger. Hey, en vrai, regardez. Non, vraiment, la douille, elle existait quand même. Les dresseurs niveau 23-24, championne d'arène 32. Il y a un petit gap quand même. Il y a un vrai gap. Hein. Il est pas... Lui, il est pas genre Roche ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Va le faire vivre à quoi, lui? Ah si, mais ça passera pas, dommage. Ça va, tu as connu pire? Oui. On a connu pire, mais bon. Je tiens à notifier de l'écart de niveau. Heureusement que j'ai soif parce qu'il a pris un crit. Il a pris un vilain crit. Quoi? Je sais pas ce que c'est ça. Cerebrock, fais voir un peu si tu peux taper et prendre un peu d'XP. What? C'est quoi ce truc? Alors attends, on va vérifier les stats de Cerebrock et il a plus d'attaque SP, ok. Donc rayon gemme, ce sera mieux. Ouais. Il a bien plus d'attaque SP d'ailleurs. Une ultra chimère, ok.
Sur une autre LP, il y avait 15 levels. Ouais. Ouais, il se peut qu'il y ait eu pire. Il se peut. Ça, du coup, c'est type quoi? Alors, ça, c'est tout sauf. Bon, bah, on va envoyer infect en fait. Hein. M'exploser. Donc, il est électrique, ok. Et on sait pas quoi. Et, ah, peut-être genre. Électrique plante, électrique ténèbres. Juste élec. Oh, le Luxray avec trop de flow. Ce Luxray, je le veux. Non, hein. Ah ouais, il a trop de flow. Elle est une ville de Bessitrus. Ah, d'accord. Il est glace, je crois, de mémoire. Ouais. Donc là, je suis dans la merdasse. Donc il fait onde boréale. Ah, on va envoyer infect. Hein. Impact. Même si apprendre un peu cher. Bref. En vrai, je peux pas. Le. Tant pis. Électrique pur. Ouais, ok. Tant pis, c'est un VG, c'est Manuron qui va prendre l'XP, mais bon. Fouet de feu! Hop là. 1800 balles! J'étais pas au courant que tu étais si fort, félicitations. Voici ta récompense, l'emblème de Cablifère, ainsi que ma CT favorite, Change Éclair. Elle a pas utilisé une seule fois Change Éclair de la game, du coup. Pas une seule fois. Vous avez obtenu l'emblème de Cablifère. Il n'existe pas d'appel chimère pour ce cher Cablifère, mais sache qu'il a la lumière à tous les étages. C'est une blague, bref. Ouais. On se dit à la prochaine pour la revanche. Oh, on nous fait pas sortir. Bah ça tombe bien, je pourrais me faire une petite miniature. Regarde, hop, je me place pour avoir une petite miniature pour YouTube, c'est parfait. Attends, mais... Ah ok, je repars par là. Je... C'est la sortie. Hop là. C'est vrai qu'on s'est pas fait éjecter de l'arène. Des fois on se fait éjecter. Dans certains jeux on dira pas... Alors, j'ai pas de... y a pas de truc d'histoire qui se déclenche. Donc là, c'est le mode visite qui va être activé, je crois bien. À moins qu'on ait une petite quête. Une dimension semble s'être ouverte dans un cratère de Floroute à aller investiguer. Voilà, ok, on va aller à Floroute alors. Ouais, parce que... Ah, c'était vraiment là? Ah, quand il disait au sud tout à l'heure et qu'on était à Aznabour, c'était vraiment à Floroute. D'accord, ok. Ah, moi, je me suis dit, c'est vraiment au sud de la map, faut marcher et tout. Apparemment, non, c'est là. Alors, où est-ce que c'est? Ah, c'était vraiment... C'est au sud, mais à côté, quoi. Alors, lui, il veut recombattre ou je l'avais dodge? Il veut recombattre, je crois. Je crois que je l'avais dodge. Mais c'est par où? Ah, je l'ai pas vu le... Oh, mais je l'ai pas vu, il était camouflé. Il était camouflé dans les plantes. Alors, il est où le cratère? J'ai des repousses ou pas? Je sais même pas si j'ai des repousses. Ah là, il y a un cratère là. Ah, il est là. Comment on rentre? Est-ce que j'ai des repousses? J'ai des repousses normaux. Comment on rentre là-dedans, là? Ah, là. Oh, un chasseur. Ah, mais on avait vu la rune, déjà. C'est ici, c'est exact. C'est très excitant. Super, ma première dimension seule. Oh. OMG. Crystal Zillum. Alors non, du coup, pas de répulsif. Ouais, regardez. Ouais, c'est que des Pokémon qu'on n'a jamais vus, là. Spododo. Que des nouveaux Pokémon qu'on n'avait pas vus. Enfin, il y en a un qu'on avait vu. On avait croisé, en tout cas. C'est type quoi, toi? Plante, non? Ah, il est pas poison?
Flash. Ok. Ah, il résiste au type. Ah, le rose bouton. Ah, le rose bouton. El famoso. On pourrait le capturer. Il y a le Trika. Alors, il a lévitation ou pas? Je ne sais plus. Il a lévitation. Ok, il y a un truc là. Une rune de destruction est posée face à vous. Ça fait quoi les runes? C'est juste pour faire joli ou c'est un truc? Je sais plus. En tout cas, il y a une sacrée ambiance dans la dimension là. Ouais. Oh, pinaise! Ouais, de l'action! Ouais, de l'action qui arrive, les gars. On check juste du savoir si on n'a pas un bavoyon. On a un bavoyon. Qui était déjà dans Dimension aussi, lui aussi avant. Qu'est-ce qu'on n'a pas croisé? Ouais, il y en a encore quelques-uns. Hein. Merde. J'ai appuyé sur C. Le Roselia, du coup, qui est l'évolution. Non, mais il est trop. En vrai, le Roselia, quand même. Quand même. Sacré flow, quand même. Moi, j'aime beaucoup. Associer le feu à la glace, c'est vraiment. C'est toujours trop stylé, de toute façon. Comme c'est deux trucs qui vont pas ensemble, à chaque fois que c'est associé, je sais pas, ça a du flow. Hey, qui va là? Vous n'êtes pas les bienvenus dans ce monde. Nous sommes des adeptes à la recherche de quelqu'un. Pouvez-vous nous aider à tuer l'ennui de cette chasse à l'homme? Super, Orexi, ils s'ennuient comme toi. Ils ont au moins le mérite de chercher à briser leur routine. Tu parles à qui? Il vient te battre. Attends, ils l'ont pas vu le... Ah, ils peuvent pas lui parler? Oh, ça c'est une folie. Encore une secte bizarre. Oh, le poulpe à pic. Oh. Oh. Béboudra grippe. OMG. Il est de retour. On a deux attaques en zone. OMG, combo de fou. Ah. Il a one tap. J'ai pas vu son niveau 22. Mince, tu es trop fort. On va te faire la peau. Vous ne partirez pas d'ici avant, vivant. Fuyons. Ils vont arriver, dépêche-toi de marcher sur la rune à ta gauche. Pourquoi? La réponse plus tard, dépêche-toi insolent. Oh, il active la rune. Vous utilisez votre mana. Chiche, on est dans un shonen. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu as utilisé de la mana, une énergie magique qui était cachée en toi. Il faut mettre les humains en état de stress pour qu'ils réveillent leurs profonds instincts. C'est quelque chose que tout le monde a? Absolument pas, les rares humains que j'ai daigné accompagner dans ma vie n'étaient pas tous à la hauteur de ton potentiel. Alors c'était pas ça la question, mais... Est-ce que tous les humains en ont? Oui, non. Et en plus après, ok, bon. Et tu sais pourquoi j'en ai moi? J'ai ça en moi. Je ne sais pas non plus, mais tu réveilles ma curiosité primordiale. Il est temps de sortir d'ici, tu peux utiliser cette fontaine à côté de nous, elle pourra soigner tes Pokémon et ta soif de mana car ça s'épuise... Ça épuise de s'en séparer petit à petit. Tu peux utiliser différents types de runes. On va faire... Oh, les runes de destruction. On va péter les murs. Ça y est, c'est parti. Ce sont souvent des trésors enfouis depuis des générations qui se trouvent au-delà des gravures, de ces gravures. On voit notre taux de mana quelque part ou pas? Oh, on vient de la voir. Il y a une barre qui est apparue en haut à gauche. Ah ouais, là on les voit là. Boum! Oh, c'est des chests! Oh, je me suis dit, autant il y a des Pokémon giga rares dedans. Peut-être il y a les deux. Hein. Peut-être il y a aussi des Pokémon des fois. Qu'est-ce qu'on a du coup là? Pas grand-chose. Hein. C'est pour la mana ça. C'est juste pour la mana. Oh, des runes. Ouais. Une clé cendrée. What? MDR. J'ai pu activer la rune et ensuite j'ai eu un dégénéré qui m'a attaqué. Ok. La violence ne résout pas tout, mais ça te dissuadera de revenir. Enfin, une en général. En l'occurrence. Trika.
Quoi? Pestilence? Trika encore? Venalg! It's your time to shine! Vibra quoi moment? Je sais plus, il est roche et quoi là, Trika? Je sais même plus. Y'a pas des trucs à ramasser ça là? Ça se ramasse pas? Merde. Non. On sait jamais, hein. Si jamais il faut récolter des trucs. Ah, y'a une rune là. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de l'utiliser parce que je me dis, si je peux pas revenir. Ah, y'en a deux. Ouais, tu vois, y'a des runes de partout. Ploum ploum! Ouais, ça me fume, on dirait qu'on. qu'on a gagné au loto à chaque fois. Il est vraiment beau, ouais, de fou. Oh. J'avais pas vu le ouais, il est vraiment beau, mais oui. Attends, mais il y a des trucs de partout. Oh, il y a des runes là. Ouais, des runes. Clé. Attends, mais il me donne des clés. C'est quoi ces clés? Attends, c'est quoi cette merde là? Ah, c'est pas là-dedans? C'est où? Ah, c'est là! Une clé pour invoquer. C'est quoi? Ah! Ils font des rotations! Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle regarde le mur. Au cas où il y a quelqu'un dans le mur, on sait pas. Oh! Ah non, c'est un gringolem, j'ai cru que c'était un cricknote. Oh là là! J'ai vu le haut, on aurait dit la tête d'un cricknote. J'ai cru une fraction, je me suis fait bait. Ah, je vais me perdre là-dedans, le truc, c'est qu'il y a des trucs de partout. Clé végétale. C'est quoi toutes ces clés? Oh merde! Ah bon, bah du coup. Bon, bah du coup. Oh, Dragrip! Tu l'as eu où? Donne-le! Je te l'extorque comme la Team Rocket! Macronium. Je sais plus s'il a le type poison Macronium. Bon, on va envoyer Tyroptor. Ah, mais c'est le Macronium modifié! Il est pas assis, genre? Ouais, si, c'est ça. Ah, il a fermeté. Chacal. Vive attaque pour la forme, mais bon. On est plus rapide dans tous les cas. Bah, bouge de là par contre. Ah, ouais, mais y'a le gros. Ah, ouais, y'a le gringolem qui a bloqué. Y'a quoi en haut là? En fait, y'a des trucs de partout, c'est ça qui m'embête. Et y'a un objet. Et du coup, en arrière, j'ai peur d'avoir raté la rune, tu vois. Je sais pas si on peut revenir dans les dimensions. Parce que. Si je rate des trucs. On va faire des demi-tours. Hein. Alors là, c'était en haut la rune. Non, c'était pas en haut, c'était en bas. Je devrais peut-être remettre du repousse. Est-ce que j'ai pas de quoi remettre du repousse là? Mais j'ai plein de clés! C'est vraiment une folie. J'ai du lait. Le mapping, c'est une galère à faire. Il y a une rune là. Ah bah là c'est le bordel en plus. Hein. What? Je suis revenu où là? Ok. Donc les runes téléportent vraiment au même. Enfin, c'est vraiment un point A, un point B. Le point B ramène au point A. C'est pas des trucs random. Ok. On n'est pas assez de mana. Ah, je suis revenu à l'entrée du coup. MDR. Pratique, tu me diras. Oh non, le répulsif c'est terminé. Oh, et direct un gringolem. FF. T'as combien d'heures de jeu en fait? Bon, on peut regarder. 7h20. Bon, après, on discute et tout. On est en mode streamer. Donc bon, je me doute qu'il y a des gens qui font ça en 4 heures, allez. Peut-être même moins encore. Hein. Sans compter, enfin évidemment sans compter les quêtes secondaires et tout. Attends, mais je suis revenu là. What? Ah, j'ai vu pour Pokémon Impotcha d'ailleurs. J'ai hâte que la suite arrive. Il y a la suite qui devrait arriver du coup.
Ça, Pokémon Destination aussi, j'attends que ça sorte. Je pense en fin d'année, on aura une petite mise à jour de Pokémon Destination quand même. Quand même. On a vu beaucoup de biomes et fait beaucoup de trucs. Ouais, pour le coup, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs dans Destination. Dans Destination, dans Dimension, pardon. Ouh, oh là là. La langue qui a fourché. En même temps, Destination, Dimension, ils aiment bien les ions. Ions. Voilà. Bon, du coup, on va repartir dans l'ordre correct. Ah, le Gilga. C'était donc lui qu'on n'avait pas encore vu. Le problème, c'est qu'il va être chiant à capturer. Type combat... Qu'est-ce que je peux faire contre lui comme attaque qui fait pas trop de dégâts? Est-ce que j'ai une attaque qui fait pas trop de dégâts encore? J'ai du morsure. Vivre obscur, en vrai, ça fait combien? Ah, bien, 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 vivre obscur, bien. Pas de crit, s'il te plaît. Parfait. Parfait, parfait, c'est l'heure de le capturer. Le Gilga. Normal combat, le Pokémon maître d'armes. Très bon Pokémon, très sympa. Alors je disais, oui, on passe par là du coup, vu qu'on l'a déjà fait. Et on peut les faire dans le bon ordre du coup. On sait ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Donc là on a vu, là c'était une Pokéball. Ouais, c'est ça. Merince, le finissier. C'est, y a forcément, ça veut dire qu'il y a forcément un portail que j'ai pas pris. Ou alors là ça me ramène où? En haut, je crois, non. Celui-là, on s'en souvient. C'est pas celui-là. C'est un enfer à mapper, mais c'est aussi un enfer, même pour le joueur. Ça, pour le coup. Ah, je suis revenu à la... Ah, c'est une folie. Ça rend fou. Ah, en plus, il y a des Pokémon de partout. Quel enfer. Ça, pour le coup, c'est un enfer. Sans compter que t'as les Pokémon sauvages en plus. Donc celui-là égale casse-pied. Après j'ai peut-être raté un truc dans le mur à péter. C'est peut-être ça. Il y a peut-être un chemin pété dans le mur à un endroit. Donc attends, celui-là c'est celui à pas prendre. Enfin. Ouais, il ramène en bas. Donc là, il faut que j'aille en... Attends, mais... Mais elle est où la sortie? Là y'a rien, on est d'accord? Là y'avait l'objet. C'est quoi cette merde? Là c'est l'entrée, non? Ah, c'est ici. L'un de nous est de trop ici. Je suis d'accord. J'ai bien envie de partir. J'ai bien envie de partir, mais c'est pas possible pour le moment, je crois. Mais ouais, je veux bien partir. Parce que là, du coup, j'étais parti à gauche ou pas? Même pas, non, j'étais pas passé du tout. Clé sombre, j'étais juste pas passé. Ok. J'avais donc raté cette zone. En tout cas, on a des clés, hein. On sait pas à quoi elles servent, mais on les a. Donc là, du coup, c'est le mec qu'on a affronté. Là, il y a tous les Pokémon sauvages. Là, il y a encore... Mec à affronter. Une clé brillante. Un objet et encore un truc. Mince.
Petite fontaine, s'il vous plaît, parce que je crois que je vais revenir à l'accueil sinon là. Un super bonbon. Oh. Ah, j'ai plus de mana bientôt. Une pièce rune? Attends, une pierre rune? Quoi? J'ai mal lu. Ah, une pierre rune, non, c'est bien ça. Une pierre appliquant des runes d'un autre monde. Ok. Oh mince, je l'ai dodge tout à l'heure, mais. Ok, bah alors curieux ça. Curieux de fou. Je sais plus quel type il est lui. Medina il est modifié aussi, ouais. C'est le Medina Jules César. Il est incroyable ce Medina. Oh, lance-flamme. Oh oui, 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 monsieur. Monsieur. Bah, aiguillon écarlate, ça dégage. Hein. Attaque trop instable. Hein. Nous, on veut de la stabilité. Oh, elle m'a attaqué à distance, je viens de capter. Elle aussi, elle utilise le mana, vous croyez? Oh! Te revoilà, mon chou. Chaque fois que j'ai fait ça. Je n'imaginais pas que c'était toi la personne que mes sbires poursuivaient. Tu as beau avoir un visage, je doute pouvoir te laisser repartir indemne. Mais vous me voulez quoi à la fin? On cherche une personne qui te ressemble beaucoup. Dommage que ce ne soit pas toi, sinon ce serait mission accomplie. Je peux partir du coup, je suis en mission pour les explorateurs. Non, tu n'as rien à faire ici, mon mignon. C'est le nouveau, cette folle. Avec sa cape ou ses queues là, on sait pas ce que c'est là. C'est trop bizarre ces trucs là, ce truc bleu qu'elle a derrière là. Qu'est-ce qu'elle a, la femme? Elle est génétiquement modifiée ou quoi? What is happening? Oh, le manternel. Ah, il est plus rapide que moi? Oh. Oh. Ah, mais non. Attends, il est pas type plante? Il est pas type. Attends, c'est quoi son type à lui? Que poison fait voir? Ah bon, d'accord. Mais écoute, si je t'emmerde, dis-le moi. En plus, il a été slow et tout en plus. Il est encore plus rapide que moi. C'est une dinguerie. Ah, c'est le tanky lui. C'est le manternel modifié tanky lui. C'est bien ce qu'il me semblait. Venoursoula. Ouais, il est terrifiant le Pokémon. T'as vraiment pas envie d'être coincé dans ces tentacules, hein. Et c'est la mort qui t'attend, hein. Et rien d'autre, hein. Mais ton raptor, s'il est coincé là-dedans, ça devient du poulet gris. Aeropic. 1040 balles. Perdre face à un hôtel réservé aux plus grands guerriers Pokémon. Quelle tragédie. Attends, quoi? Perdre face à un hôtel réservé? Ah, au-dessus de nous, je crois. Ah, elle parle au-dessus de nous, ok. Quelle tragédie. Ta victoire est méritée, mais je n'ai pas apprécié perdre. Vous allez me laisser tranquille maintenant, c'est pas prévu. On va parler de toi, notre chef. Si je te revois, je fais de toi ma proie. À la prochaine. Il y a un hôtel en haut? Ta visite de la dimension t'aura au moins permis de te faire une ennemie. Tu n'as pas perdu ton temps. Ah, c'est ça. Attends. Un hôtel? C'est ça? Oh! Ce n'est pas la clé. Elle est là, la clé. Pas du tout. Il y a un Gilga. Elle est là, la clé. C'est quoi? C'est pour avoir des Pokémon? Attends, c'est quoi ce bordel? Le truc, c'est que je me dis, autant il n'y en a qu'un, quoi, tu vois. Oh! Oh! Ah, c'est pas les versions, les Pokémon évolués de Gilga? Vous devez déposer tous vos Pokémon dans un seul?
Comment on fait ça? Bah ouais, mais on peut pas. On n'a pas de PC là. Attends. Ah si, j'ai le PC portable, non? C'est pas ça? Ah. Mais mon Gilga va se faire tabasser, non? On va tester de juste laisser un Pokémon pour voir. Mais je crois qu'il y a écrit un seul Gilga. That smell shit. ça sent pas bon. Bon, on va le faire pour la science, mais à mon avis, on va juste sauvegarder et les... Agrisme. Ok. Il a one tap, gros. C'est ridicule. Il se passe quoi si je perds du coup? Est-ce que je suis renvoyé au centre Pokémon ou pas? Oui, donc aucun intérêt du coup. Alors, on va juste relancer le jeu du coup. Aucun intérêt, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Donc pour l'instant, aucun intérêt parce que mon Gilga, je viens de le capturer, donc forcément il est nul quoi. Donc évidemment, le boss lui pète la bouche. Logique. Par contre, ça veut dire qu'il me faut de la place et c'est embêtant. C'est un peu embêtant. Qui on enlève? Est-ce que j'enlève? Le problème c'est que Cérébro qui est lent, mais vas-y, il met des patates quoi. J'espère qu'il part pas le fantôme là, je sais pas ce que c'est, le fantôme boss là. Parce que là le problème c'est que je peux pas le faire XP vite en fait, c'est pas possible. J'ai qu'un super moment, tu vois, ça marchera jamais ouais. Venalg, on est obligé de le garder, parce que Venalg, vas-y. Un petit dragon, t'es obligé de le garder quoi. Et Tauraptor, c'est passe-partout. Manurion, c'est pas horrible. En vrai, au pire, j'enlève lui. Hein. En plus, il est type fée, il mérite de disparaître. Vas-y, il mérite de disparaître. Son type fée tout moche, là. Il est fort, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais vas-y, son type fée, il mérite sanction. Bon. Bah j'espère qu'on pourra revenir dans la dimension parce que j'aimerais bien le faire le boss moi. Ah j'ai fait feinte. Bon ça va marcher aussi du coup mais... Du coup comment on part de la dimension par là? On peut revenir ou pas? J'espère qu'on peut revenir. Hein. Crystazilum. Ouais j'en ai où là? Oh, j'ai déjà plus beaucoup de mana. What the fuck? Ah c'était... Ah c'est là où on était tout à l'heure. Ouah attends mais il y a des runes de partout. Ok là c'est l'entrée. Ok. Ah il y a de quoi casser là. Un bandeau. Un PP plus. Ouais du coup il y a des runes de partout. Mais du coup faut que je me soigne. Donc là ça m'a envoyé dans le donjon. Et là ça m'envoie où? Oula, what? Une maxi pépite, c'est quoi ça? Aïe! C'est quoi ça? Pourquoi y'a un perso de... C'est quoi, c'est FF Dragon Quest? J'en sais rien. Non, c'est pas Dragon Quest, c'est... Oh.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il se capture? Attends, on va... Non, il se capture, c'est une blague? Fire Emblem, voilà, pardon. Quoi? C'est un Poké Emblem. Voilà, la dinguerie! Attends, mais c'est incroyable! Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il évolue? Il évolue en Giga Hike. J'en sais rien. Attends, mais c'est un Lucina. What the f... Mais c'est incroyable! C'est quoi cette dimension de fou? Oh, elle est ressortie, elle. Elle fait rugissement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est RPG, cette dimension. Je te jure, hein. Faut choper le roi gluant. Oh, putain, imagine. Les gars, on va essayer de capturer Tifa, du coup, au prochain épisode. Le Pokémon s'est échappé, ouais, le Pokémon en question. Oh, j'ai des hyperboles, bah tiens, une hyperbole au moins c'est réglé. Oh, comment ça? Oh, Ike, t'es faible, hein, mon ref, si tu t'es fait capturer comme ça et qu'elle, elle fait la diff... Mais fais la difficile, dis donc. Ok, c'est bon. Oh, c'est pas bon. Elle rentre. Eh, toi et moi, on va pas être trop potes. Faut que tu rentres. Mais. Ténacité, mais cela échoue. Attends, mais. Elle a fait ténacité là? Oh oui. Voilà, parfait. Allez, hop. Allez, là, tu rentres là quand même. Quel est ce jeu farfelu? Lumière ténèbre! Oh! On a un type lumière. T'inquiète, c'est normal, c'est Pokémon Dimension. T'inquiète. What? Incroyable! Ah, la folie! Ah, mais du coup, les autres dimensions, ça doit être fou! Non, mais là, du coup, il y a une autre dimension de fou là. On n'est pas assez de mana. Ah, merde. Attends, on va aller chercher du mana. Le problème, c'est que j'ai plus de boules. Ouais, donc lui, il est toujours là. Il n'est pas assez de mana. Ouais, de toute façon, t'inquiète. Faudra qu'on affronte les boss, du coup. Le boss fantôme, là. Mais du coup, ici... Attends, mais ça mène où, ça? C'est quoi, ça, encore? Corin. Oh, dis-moi qu'il est type dragon, lui. Ah, il faut... Le problème, c'est qu'il me faut fauchage. Ah, j'ai plus d'hyperball. Rapid ball, ça marche. Encore un perso Fire Emblem. Rapid ball, ça passe. Dragon haut. Ah, oh, en vrai, c'est bien. Dragon haut, on prend. C'est bien. Non, mais en vrai, on va regarder leur stats, du coup. S'ils ont des stats de fou. Du coup, il y en a un deuxième. Herbe rappel. J'ai plus de boules. Daraen. J'ai plus de boules. Ah, j'ai des super boules. Bon, bah, on va y aller à la super boule, écoute. Tu peux te faire ténèbres électriques. What the fuck? Tu peux te faire une équipe Fire Emblem, genre. C'est incroyable, en vrai. La dimension n'a aucun sens, hein. Alors imagine les autres dimensions, du coup. Ça, c'est qui? Roy. What the fuck? Oh, il fait ténacité? Allez.
Il a pas fait ténacité. Non mais il a 2 de QI aussi. Il fait ténacité tour 1, après il fait pas ténacité. Bon bah fuck Rock du coup, il est trop bête. Oh il revient pas évidemment. Oh mais Roy il est trop con. Ah je suis vraiment dans la dimension. C'est la dimension de Fire Emblem vraiment. En vrai c'est mort. Ténacité rate s'il est utilisé à chaque tour. Non. Non parce qu'en fait premier tour ça pouvait pas marcher parce que je l'ai pas tapé. Donc là ça devait marcher en fait. Ça a déjà raté le tour d'avant. Et de toute façon, Lia n'a pas la réflexion pour se dire ça rate. Ah merde, je suis revenu là. Oh merde. Bon, du coup, c'était là, puis en bas. Faut que je trouve le moyen d'aller en bas après. Oh, je suis revenu ici. Oh. Là, c'est en bas, du coup, non? C'est ça. D'ailleurs, les sbires se sont barrés, du coup. On veut voir du coup, il m'en reste un d'endroit à visiter. Ok, on est de nouveau à la sortie. Bon, du coup, on va reprendre du mana. J'ai pas le choix. Hop. On passe. Si. Ouais, celui-là, il faut pas. Et là, ok. Alors, c'était. On a fait quoi? On a fait gauche ou droite là? Tout à l'heure, on a fait gauche là, non? Sur celui-là, je crois. Ah, celui-là, on n'a pas fait, je crois. Ah, si, on a fait. Ah, non, on a pas fait. Il y a un pont. Célica. Célissa ou Célica? Célica. Non, pas attaque, non, non. Bon, bah, on aura eu tous les persos de Fire Emblem sauf Roy. Parce qu'il est trop bête. Après je sais pas s'ils reviennent ou pas les Pokémon. Enfin les. Enfin du coup c'est pas des Pokémon, mais enfin les mecs statiques. Ah tu vois elle fait ténacité. Ça a échoué parce que j'ai pas tapé ou je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, ça a pas marché en tout cas. Parce que j'envoie une balle, je pense que c'est pour ça que ça marche pas. Vas-y, me troll pas toi. Voilà, c'est bien, voilà, toi t'as un cerveau. Parfait. Roy, il avait 5 de QI. Toi, t'as au moins l'intelligence. Mais attends, mais elle est chiante à capturer. En vrai, est-ce que l'évolution, c'est pas le perso, mais avec des meilleurs graphismes? En vrai, ce serait drôle. L'évolution du personnage, c'est bah lui, mais en 4K HD. 4K FHD XX triple quadra 8K. Ce serait assez drôle. Canon dogme. Bon par contre faut rentrer. C'est quoi son taux de capture elle? Allez. Ah. Son chien, il me faut utiliser toutes mes balles. J'ai vraiment plus de balles du tout. Au prochain passage dans le centre Pokémon, c'est achat de balles obligatoire. C'est trop grave. Enfin, Feu Lumière. Célica est l'une des deux protagonistes de Fire Emblem Gaiden et de son remake Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Ok. Bah la dimension Fire Emblem est clear. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est un bavoyon, ok. Je reconnaissais pas le sprite. Ok, bah on a fait le tour de la dimension. Cette fois, on peut partir. Bon, on aura juste pas eu un idiot. Petite déception. Bavoyon. Et il me manque du coup à affronter le boss, mais du coup mon Gilgan n'est pas encore prêt pour ça. Mais du coup on avait vu plein de runes de partout sur la map. Oh là 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 là.
Allô, ouais, salut Maver, tu sors d'une dimension, non? Oui. Tu as vu ça, j'ai l'instinct. Du coup, je t'appelle vis-à-vis de ta prochaine mission. Rends-toi au Travestige, au nord de la région. C'est une zone de grand froid, mais on y a vu des Pokémon étranges apparaître. Bon courage, l'ascension sera rude. Travestige. On aurait besoin d'aide dans des traces à l'occasion. Ah, voilà, ok. Tu auras accès aux autres, aux différents niveaux selon ton rang d'explorateur. Passe-moi voir dans mon laboratoire à Asnabour de temps en temps. Sur ce, j'ai des choses à faire très vite. Ah oui, donc là, on aura eu un bel épisode bien complet qui fait bien 50 minutes. Merveilleux. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, le petit commentaire. Vous avez tous les liens dans la description pour me soutenir ou télécharger le jeu, les informations, le Discord, tout ça. Des bisous, ciao tout le monde.